n'a pas délégué dans le quartier. Qui a pas délégué? C'est pas affaire de délégué, c'est chez toi en bas à la maison. Ma chérie, ça fait longtemps, hein? Est-ce que toi, tu demandes encore d'appeler quelqu'un? Faut pas te fâcher. C'est mon chéri, oh. C'est mon chéri. Pardonnez ma vie. On aura de chéri un jour aussi. Amen. Pas de neuf. Oh, je suis là. Vu que je ne faisais rien à la maison, j'ai décidé de venir te rendre visite. Puisque d'ailleurs, je l'écrivais depuis mon jour. Tu ne me répondais pas pourquoi. Marco, mon mari est parti en France depuis quelques jours. Tu sais que quand il est là, je me connecte sur son wifi. Du coup, je me retrouve sans connexion. Il est parti. Il est parti en France. Sinon que, avant hier, là, mon téléphone s'était connecté à ton wifi comme quand je venais chez toi normalement. C'est pas possible. Mon mari, il est parti avec le wifi. Bon, sinon, attends, dis-moi. Tu m'as pas dit, quand tu es dans chez vous, vous n'avez pas de transport. Oui, je sais ça. Et puis, comment aussi s'est vendu en France? Il m'a dit qu'il a utilisé sa carte CIP. Sa carte combien? Sa carte CIP. Ah. Comment c'est où, hein, des soins problèmes? Oh, bon, mais non, c'est... Ne te fâche pas. Tu me payes rien à Djoko. Non, tu es venu jusqu'ici pour m'expliquer, c'est ça? Non, chérie, est-ce que je peux? Tu m'as chouchou, moi. Souvent, je vais demander à partir. Tu es venu quand tu t'en vas déjà? Ah, donc c'est ça en fait. Tu es venu faire un rapport, pas ici. Non, pas du tout. Est-ce que je veux bébé? C'est ce que tu viens de faire ou pas? Mais je suis fâchée. Bisous. Au revoir. On est vieux. Tu ne me raccompagnes même pas. Non, tellement tu es fâchée que tu ne m'as même plus proposé à manger ou à boire. Enfin, je ne te fâche pas. Quand mon mari est là, je ne peux pas matin, midi, soir. Et vu qu'il est parti, tranquille, tu peux rester avec toi. En tout cas, j'ai fait une bonne sauce en bois Saint-Christ avec de la pâte blanche bien chaude. Pâte blanche? Tu as bien entendu. Pâte blanche, sauce combo. Hey! Je t'ai attrapé aujourd'hui, c'est comme ça tu es, non? Marco, moi je n'ai pas de mal. Donc si je n'avais pas demandé là, tu n'allais pas me dire que tu as fait ma sauce préférée. C'est méchant. Attends, hein. Je vais chercher mes chaussures. On s'en va manger là-bas. On peut dormir dedans. Attends. Je sens qu'on reçoit des messages. Ah, je te l'avais dit. Regarde. Je suis connectée à ton Dieu. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Attends, le signal vient de quelque part. Ah. Non. Là, c'est pas bon. Ok. Là. Yeah! 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 Tu as bien fantôme. Attends, mon mari, ça? Non, il est en France. Comme il t'avait dit, tu sais, il doit encore faire deux semaines avec toi et repartir à Monaco. Yeah! Oui, vivre à Monaco, comme, tu sais, non. Si je n'ai pas refusé, tu n'as pas respecté, il n'y a pas de souci. Mais tu sais que deux semaines, là, c'est peu. Tu veux que vous veniez. Tout le temps, tu pars. Tu sais, on a tout le temps que tu fais avant de revenir. Mais là, tout cette fois, j'ai fait deux mois avec toi et repartir à Monaco. C'est toujours ce que tu m'as déjà promis la dernière fois, que tu allais faire un mois. Tu es venu là, c'est une semaine, tu as fait, tu es parti. Oula, toi. Ou bien tu es marié, tu ne veux pas me dire. Non, comment je suis marié? Je suis marié, tu vas quitter mon accouplement. Je n'ai même pas compris ton problème là. Tu m'as mis ici depuis, je t'attends.
Si tu viens voir quelqu'un avec moi, ne dis rien. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je t'ai loué ici. Mais je refuse pas. Attends, regarde, tu me mets en suspens. Attends, ce qu'on va faire là, je te fais voyager, on est à Monaco, toi et moi. Ok, fais-le, d'accord. Comme ça, c'est mieux. Et d'autres, même d'autres là, je te fais d'autres là. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te doter. Oui, il faut faire. Donc, ce que je demande, tout ce que je dis là, je vais le faire. Hein? Et on va remplir vol. Yeah! Je vais le faire. Toi, tu me connais, non? Vol, je vais remplir vol avec toi. Monsieur Dot. Yeah! François Hollande. Bébé. L'homme qui voyage sans passeport. Tu fais les choses, papa. Qui? C'est la France, ça. Ah, moi, je suis en France. Hein? Non, tu es en Île-de-France. Tu es en France aussi. Hein? Chérie, pas où? Tu veux que je te chiffre? Comment ça? Calme-toi, c'est pas ce que tu crois. Ma chérie, non, c'est pas, tu ne vois pas bien, quoi. Je ne vois pas bien, non? Non, bébé, calme-toi. Je suis avec. Comment ça me calmer? Explique-toi. Tu veux aller la maison? Je vais te t'expliquer. C'est le vol qui a fait toute la journée. Et tu ne connais pas les chemins de la maison. C'est l'avion. Je ne veux rien entendre. C'est notre avion. Prends l'avion, il parle là. Tu ne connais pas la route qui mène à la maison. Passe devant moi. Le mécanicien en haut. Ne m'énerve pas. Mais si tu vas où? Non, élève-toi, je m'en fous. Mais moi, j'ai rien avec toi. Parce que tu vois, moi, je passe. Eh, monsieur, viens. Tu m'as dit que tu allais aller là. Mais devant moi. Il n'y a pas de délégué dans ce quartier. Ah, bébé, c'est l'avion qui est délégué. L'avion, il parle là. Tu ne connais pas la route qui mène à la maison. Monsieur, on a calé. Tu vas dire que tu vas passer. 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 Tu vas dire que t